Bonjour à tous. Je me nomme Monsieur Youyou Faustin, professeur de français. Je suis devant les élèves du terminal A4. Nous allons présenter aujourd'hui une leçon, un travail dirigé, puisque la leçon a été déjà vue, qui porte sur la rédaction de l'introduction du commentaire littéraire en terminal A. Alors, qui peut nous dire quelle date sommes-nous aujourd'hui? Oui, très bien. Ok. À la fin de cette leçon portant sur la rédaction de l'introduction du commentaire littéraire, l'élève de terminale A4 doit être en mesure de rédiger l'introduction du commentaire littéraire à partir d'un support, donc d'un texte, d'un extrait en prose ou bien en vers proposé par son professeur. Alors, quels sont les exercices littéraires inscrits au programme? Oui, il y a la dissertation, l'ETA, étude du texte argumentatif, et le commentaire littéraire. Très bien. Qu'est-ce que le commentaire littéraire? Oui, c'est bien. C'est un exercice qui porte sur un poème en prose ou bien en vers, mais qui vise à analyser, à commenter le style et les idées d'un texte en prose ou bien en vers. En combien de parties le commentaire littéraire se fait-il? Oui, c'est bien, très bien. Le commentaire littéraire se fait en deux grandes parties. Il y a la partie question, notée sur 6 points. Il y a des questions de fond et de forme, et la partie grande 2, commentaire composé, noté sur 14 points. Il y a donc 3 exercices littéraires au programme. Il y a la dissertation, et il y a l'étude du texte argumentatif et le commentaire littéraire. Aujourd'hui, notre travail porte exactement sur la rédaction du commentaire, de l'introduction du commentaire littéraire. Bon, en réalité, ce n'est pas commentaire littéraire, c'est commentaire composé. Hein, la rédaction du commentaire composé. Parce que le commentaire littéraire, c'est tout l'exercice. Et il y a une partie pour le commentaire composé. Composé. Alors, donc, nous avons vu que dans le commentaire littéraire, il y a 2 grandes parties. Il y a la partie question qui est notée sur 6 points. Et la partie commentaire composé noté sur 14 points. Mais dans le commentaire composé, nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire pendant que nous cherchons à bâtir une introduction? Il faut connaître les éléments que nous avons placés au tableau. Il faut, dans l'introduction, faire ressortir le texte dont il est question, tel que nous avons ici, le texte de Ronsard, Je n'ai plus que les os. Donc, nous devons connaître le texte. Il faut avoir des connaissances sur le texte. Du texte, nous parlerons du titre, quel est son titre, quelle est sa nature, sa tonalité, son courant littéraire. Et le 2, nous avons l'auteur, quel est son nom, son prénom, sa nationalité, son courant littéraire. Et enfin, l'époque. 4, on cherchera à connaître quel est l'ouvrage dans lequel est extrait le poème soumis à notre étude. Donc, là-dedans, nous chercherons à voir si le titre est indiqué, l'année de publication, l'édition, et enfin, la dernière partie, ce sont les sons d'intérêt. Il y a le son d'intérêt numéro 1, le son d'intérêt numéro 2. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments qui forment l'introduction du commentaire littéraire, mais tous ces éléments-là vont être groupés en 3. Alors, reprise, les éléments de l'introduction du commentaire composé, ils sont ceux que nous avons placés au tableau. Il y a, dans le petit 1, nous avons le texte, et le texte est composé des éléments suivants, le titre, la nature, la tonalité, le courant littéraire. Le petit 2, nous devons avoir une connaissance sur l'auteur, c'est-à-dire quel est son nom, sa nationalité, son courant littéraire et son époque. Le petit 3, c'est l'ouvrage. L'ouvrage,
dans lequel le texte est extrait. Il est question de chercher quel est son titre, l'année de publication, l'édition, et on fait le petit 4, nous avons les sons d'intérêt. Nous avons mis la petite A dans le son d'intérêt numéro 1, le petit B, le son d'intérêt numéro 2. Alors, il est question, après avoir trouvé tous ces éléments, de les grouper en 3 ou 4 phrases. Ce n'est pas que chaque élément va faire l'objet d'une phrase, sinon ça va avoir trop de phrases. L'introduction de commentaires littéraires se rédige en un paragraphe, où on doit retrouver ces éléments. Mais si l'élément n'est pas précisé, par exemple le titre, cela ne fera aucun problème, on s'en passe. Il peut arriver aussi que l'édition n'est pas marquée. Ça ne vous coincera pas. Mais vous vous en tenez aux éléments qui sont proposés. Alors, nous avons devant nous ici un texte que nous allons exploiter pour pouvoir regarder si et seulement si les élèves ont compris tous les éléments qui composent l'introduction du commentaire composé. Nous avons le poème de Ronsard, Pierre de Ronsard. Je vais le lire. Soyez attentifs. Poème, je n'ai plus que les os. Je n'ai plus que les os, un squelette. Je semble décharné, dénervé, démusclé, dépoulpé, que le trait de la mort, sans pardon, a frappé. Je n'ose voir mes bras, que de peur je ne tremble. Apollon et son fils, deux grands maîtres ensemble, ne me sauraient guérir, leur métier m'a trempé. Adieu, plaisant soleil, mon œil est étoupé, mon corps s'en va descendre, où tout se désassemble. Quel ami, me voyant en ce point dépouillé, ne remporte au logis un œil triste et mouillé, me consolant au lit et me baisant la face, en essuyant mes yeux par la mort endormie. Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis, je m'en vais le premier. Vous préparez la place. Pierre de Ronsard, les derniers vers. Question, grand 1. Question, petit 1. Quelle est la nature de ce poème? Justifiez votre réponse. Petit 2. Ce poème est divisé en combien de strophes? Ce poème est-il divisé? Nommez-les. Quelle est la figure de style contenue dans le dernier vers? Grand 2, commentaire composé. Partant des thèmes suivants, l'impuissance de l'homme devant la mort et le regret de la vie qu'il quitte, faites le commentaire composé de ce poème. Alors, nous, notre problème, c'est la rédaction de l'introduction. Alors, nous venons de lire le poème de Ronsard et nous allons regarder qu'est-ce que nous devons avoir ici comme éléments qui pourront nous permettre de rédiger notre introduction. Nous avons dit que dans le petit 1, il faut mentionner les éléments qui composent le texte. Au petit A, il y a le titre. Est-ce que notre texte a un titre? Oui, il a un titre. Son titre, c'est « Je n'ai plus que les os ». Je n'ai plus que les os. Je n'ai plus que les os. Voilà le titre. La nature. Alors, qu'est-ce que comment déterminer la nature d'un poème ou bien d'un texte à commenter? Quand on parle de nature, le poème peut être classique, de nature classique, ou encore moderne. Alors, il est classique quand il respecte les mesures de la versification. Les mesures de la versification édictées au XVIIe siècle par Nicolas Boileau. La poésie classique a des mesures. Et parmi ces mesures, nous avons par exemple la rime. Il faudrait qu'il y ait la rime. Nous avons par exemple le mètre. Il faudrait que les vers aient le même mètre ou bien la même mesure.
soit c'est l'alexandrin, le vers de 12 syllabes, soit c'est l'octosyllabe, le vers de 8 syllabes, décasyllabe ou bien le vers de 10 syllabes. Si du début à la fin, nous voyons qu'il y a la versification, il y a la rime, les rimes sont disposées. La poésie est écrite sous forme de chanson. Dans ces conditions, nous disons qu'il s'agit d'un poème classique, de nature classique. Mais il est moderne si et seulement si les notions de versification ne sont pas respectées. Donc la poésie est libre. Les vers n'ont pas la même longueur. Il n'y a pas de rime. Les choses riment quand elles se prononcent de la même manière à la fin. Ou encore, quelqu'un peut dire quelqu'un a porté des habits qui riment lorsque deux couleurs se ressemblent. Et on parle de rime. Alors, ici, est-ce que le poème que nous avons devant nous a la rime? Est-ce que les vers ont le même maître? Bien entendu. Par exemple, quand je prends le premier vers, je n'ai plus que les os, un squelette, je semble. Ça termine par je semble. Le deuxième, décharné, dénervé. Et dénervé, démusclé, dépulpé. Troisième, que le trait de la mort sans pardon a frappé. Et quatrième, je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble. Le premier vers qui termine par semble rime avec le dernier vers du premier quatrain qui termine par tremble. Alors que le deuxième vers qui termine par dépulpé rime avec frappé. Donc, vous voyez que nous avons la rime. Il y a des rimes embrassées. Il y a A, B, B, A. Et s'il s'agit de regarder même le mètre ou bien la longueur des vers, quand je prends le premier vers, je, 1, né, 2, plus, 3, que, 4, les, 5, zo, 6, nous avons 6, 1, 7, ce que, 8, les, 9, te, 10, je, 11, 100, 12. Parce que nous avons le principe du E muet en position finale. Quand le E est muet est en position finale, il est muet. Et là, nous nous retrouvons devant le vers alexandrin, donc un vers de 12 syllabes. D'un côté, nous avons les mystiches de 6 syllabes et de l'autre côté, les mystiches de 6 syllabes et au milieu, nous avons la césure. Donc, après avoir vérifié tout cela, nous pouvons conclure que notre poème est à vers fixe, ou bien classique. Hein? Poème à vers fixe. Poème à vers fixe ou classique. Poème classique. Entre parenthèses, à vers fixe. Alors, mais ne confondez pas nature et type, parce qu'il peut arriver qu'on vous demande au bac quel est le type de ce texte. Le type de ce texte, ça veut dire le nom. Et souvent, on demande les types quand il s'agit des poèmes classiques. Ça peut être le sonnet, ça peut être le rondo, ça peut être la ballade. La ballade. Ou encore l'ode. Dans la poésie classique, la poésie en prose, il n'y a pas de type, il n'y a pas de nom. Les poèmes n'ont pas de nom. C'est la poésie classique où tout était déjà réglé. Chaque poème a un nom. On dit par exemple un poème de 14 vers, réparti en deux quatrains, deux tercets, s'appelle sonnet, ainsi de suite. C'est comme le cas que nous avons ici. C'est un poème classique, mais son nom c'est le sonnet. Alors, la tonalité. La tonalité c'est quoi? C'est l'émotion, c'est le temps qu'un texte, un film ou bien une situation peut créer en chacun de nous. Quand on est devant un film, en le regardant, certains peuvent être gais, d'autres malheureux, joyeux, mécontents. C'est ça ce qu'on appelle la tonalité. Et lorsque nous lisons ce poème de Pierre de Ronsard, quelle est l'impression première qui nous arrive? C'est celle que l'auteur est en train de parler de lui-même. Hein? Il montre ses derniers moments pendant qu'il est en agonie sur le lit de l'hôpital, en train de passer ses derniers moments. Il va mourir. Il voit déjà la mort venir. Il parle de « je ».
Il parle de lui-même, il parle de me, de moi. Donc, il s'agit de sa situation. Donc, pour cela, nous disons que ce texte est lyrique. Mais sauf que un poème n'a pas qu'une seule tonalité. Un poème peut avoir plusieurs tonalités, mais il y a la tonalité dominante. Quand nous lisons le poème de Ronsard, nous voyons qu'il est dominé par le lyrisme. Mais on peut également trouver d'autres tonalités, telles que la tonalité pathétique. La manière dont Ronsard est en train de mourir, ça fait pitié. Il regrette le temps passé avec ses amis, représenté ici par le soleil. Il s'amusait dans le sable avec les... Quel ami me voyons ? Adieu ! Adieu, adieu. Il y a un regret. Donc, on peut dire également qu'il est pathétique. Pathétique. Il est lyrique, il est pathétique. Il y a aussi le réalisme. Parce que c'est une situation où les, presque tout le monde, qui, tout malade, qui est à l'agonie, à côté de la mort, peut toujours regretter le temps passé avec ses amis. Donc, on peut parler également du réalisme. C'est vrai que c'est la fiction, mais ça nous ramène à la réalité quotidienne. Alors, quel est le courant littéraire? Nous sommes bien entendu ici au XVIe siècle. Il s'agit de la Pléiade. Hein? C'est la Pléiade. Nous avons étudié lors de nos cours depuis la seconde ce que c'est que la Pléiade. La Pléiade, c'est un mouvement littéraire au XVIe siècle, dirigé par Pierre de Ronsard, où le secrétaire, c'était Dubellay. Hein? Dubellay est le secrétaire de ce mouvement. Dubellay est le secrétaire de ce mouvement. L'objectif de la Pléiade, c'était quoi? Défendre et illustrer. Hein? Défendre et illustrer la langue française. Défendre et illustrer la langue française autour de Ronsard, qui est le chef de file. Pierre de Ronsard, qui est le chef de file. Qu'est-ce que ça voudrait dire, défendre? C'est-à-dire que les Français de cette époque devaient montrer aux autres peuples du monde que le français est capable de concurrencer les autres langues comme le grec, l'anglais, l'italien, ainsi de suite. Et donc, illustrer, il était question pour les écrivains de la Pléiade d'apporter des mots nouveaux à la langue française afin que cette langue vive. Voilà, c'était l'objectif, c'était défendre et illustrer la langue française au XVIe siècle autour du mouvement de la Pléiade. Alors, nous passons au petit 2. Le nom de l'auteur, c'est bien entendu Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard, nationalité française. Il est de nationalité française. Courant littéraire, ça se répète. Et en fait, oui, on peut trouver le courant littéraire. On peut étudier le courant littéraire même à partir du texte. Devant un texte, on peut déterminer l'écriture, on peut déterminer le courant littéraire par rapport à l'écriture. Sinon, en temps normal, nous plaçons le courant littéraire à ce niveau, au niveau de l'auteur. Hein, au niveau de, ça fait comme double emploi. Il s'agit de la Pléiade. Ça fait double emploi. Il s'agit de la Pléiade. Donc, double emploi. Nous ferons mieux de placer le courant littéraire dans la partie auteur. L'époque, c'est le XVIe siècle. XVIe siècle. Ouvrage, le titre, Les derniers vers. Les derniers vers. Les derniers vers. L'ouvrage dans lequel notre poème est extrait, Je n'ai plus que les os. Année de publication. Alors ici, l'année de publication n'est pas marquée, mais il s'agit de 1555, l'année de publication. Édition, l'édition n'est pas marquée. Centre d'intérêt, nous avons deux centres d'intérêt. Le centre d'intérêt numéro 1. Donc le 1,
l'impuissance, l'impuissance de l'homme devant la mort. Et deuxième champ d'intérêt, le regret de la vie qu'il quitte. Il va quitter la vie et il le regrette. Il regrette ses amis. Il regrette les moments qu'il a passés ensemble avec ses amis. Donc voilà, nous avons ici les éléments qui fondent l'introduction du commentaire composé. Le texte, l'auteur, l'ouvrage, les centres d'intérêt. Il est question maintenant d'harmoniser tous ces éléments-là en un seul paragraphe. Alors, nous allons, comme les éléments sont au tableau, nous allons les harmoniser de façon à retrouver une introduction rédigée, l'introduction du commentaire composé. Il n'y a pas une méthode standard de début de commentaire. L'essentiel est que tous ces éléments-là soient classés dans une certaine harmonie. Alors, on peut dire, on peut commencer l'introduction en disant ceci. Je n'ai plus que les os. On peut citer le titre du poème. Je n'ai plus que les os. Je n'ai plus que les os. Est un sonnet. Je n'ai plus que les os. Est un sonnet. Est un sonnet classique. Il est classique. Hein, parce qu'il peut arriver quand on trouve également des faux sonnets. Est un sonnet classique de Pierre de Ronsard. Pierre de Ronsard. Poète français du 16e siècle. Du mouvement de la Pléiade. Alors, vous constatez que tous ces éléments-là, nous pouvons les combiner dans une seule phrase. Extrait de son ouvrage, les derniers vers. Nous soulignons les derniers vers. Et puis on peut mettre entre parenthèses 1555. Le dernier vers, 1555. Point. Nous marquons un point. Nous allons chercher d'autres éléments qui ne sont pas cités. Parce qu'il faudrait que tous les éléments soient cités. On peut dire dans cet extrait, ou bien dans cette page poétique, dans cette page poétique, à tonalité, nous citons les tonalités lyriques, pathétique, virgule. L'idée, est-ce que, apparemment, l'idée, nous avons sauté l'idée générale. Il faut qu'il y ait l'idée générale. Mais depuis ici, on a raté de mettre l'idée générale. Voilà la confusion qu'on devait corriger, justement, c'est là. Le courant littéraire ne vient pas ici, il est bien là. Donc, l'élément qu'on avait raté, c'était l'idée générale. Idée générale. Voilà. Et le courant, alors que le courant littéraire doit descendre dans la partie auteur. C'est l'idée générale qui doit venir ici. Alors, lorsque nous lisons ce poème,
nous voyons bien qu'il s'agit des plaintes de l'auteur avant de mourir. Donc les plaintes de l'auteur avant de mourir. Ou bien les inquiétudes, les soucis de l'auteur avant de mourir. Les plaintes, évocation des plaintes de l'auteur. Évocation des plaintes de l'auteur avant sa mort. Évocation des plaintes de l'auteur avant sa mort. Donc, nous signalons bien entendu cette idée générale. Dans cette page poétique, à tonalité lyrique pathétique, on peut ajouter « et réaliste », l'auteur évoque ses plaintes avant, on va dire avant de mourir, bien avant l'adieu final, puisque revenons au mot qui est cité dans le poème, avant l'adieu final, avant l'adieu final, donc avant la mort. Et nous terminons l'introduction par annoncer les deux centres d'intérêt que nous avons ici. Un travail de fond, un travail de fond et de forme portera, un travail de fond et de forme portera, un travail de fond et de forme portera sur, laissons l'intérêt, sur l'impuissance de l'homme devant la mort, l'impuissance de l'homme devant la mort, devant la mort, et le regret de la vie qu'il quitte. L'homme est justement impuissant devant la mort. Parce que nous voyons, quand nous lisons déjà le premier quatrain, nous regardons à travers l'énumération décharnée, dénervée, démusclée, dépulpée, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'enlève, l'auteur, le pauvre, le patient, est en train de perdre comme l'embonpoint, en train de perdre quelque chose, en train de perdre quelque chose. Et en plus de ça, nous avons Apollon, qui est le dieu de la médecine, le dieu là, qui devait guérir le poète de sa maladie, n'arrive pas. Même le médecin n'arrive pas. Donc finalement, l'homme est impuissant. Et le regret se manifeste dans ses adieux. Adieu, il s'interroge. Je m'en vais le premier. Et quel ami me voyant en essuyant mes larmes, ainsi de suite. Donc il y a un souci. Il regrette la vie marquée par le soleil où il s'amusait avec les autres. Alors, donc voilà comment nous avons rédigé notre introduction, mais on peut revérifier si réellement nous retrouvons quelques éléments, les éléments que nous avons cités ici, est-ce que ça se retrouve dans notre introduction? Nous avons ici, on peut numéroter ça, un, nous avons le titre. Le titre est là, sonnet classique, c'est un élément. Deux, Pierre de Ronsard, trois, c'est l'auteur, c'est un élément. Poète français, nationalité, c'est bien, nous avons trouvé ça. Siècle est là, 5. Extrait de son ouvrage, des derniers vers, c'est un autre élément, 6. Le titre du livre, dans cette page poétique, à tonalité, les tonalités sont là, donc 7e élément. L'auteur évoque ses plaintes avant l'adieu final. Et nous pouvons noter ça comme étant le 8. L'idée générale, un travail de fond et de forme portera sur l'impuissance de l'homme devant la mort et le regret de la vie qu'il quitte. Le 9e élément, donc les centres d'intérêt. Donc on se retrouve avec 9 éléments dans notre introduction du commentaire littéraire. Maintenant, pour terminer, nous allons prendre un autre poème en 10 minutes. Le poème de Joachim Dubellay. Nous allons le lire rapidement.
Heureux qui, comme Illus, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée et en quelle saison? Reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux que des palais romains, le front audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le Tibre latin. Plus mon petit Liré que le mont Palatin. Et plus que l'air marin, la douceur angevine. Question. L'auteur, c'est Joachim Dublé. Extrait de Les Regrets, 1558. Grand air, question. De quel registre ce texte relève-t-il? On a mis registre au pluriel. Quels en sont les indices? Quelle est la tonalité dominante de ce texte? Justifiez votre réponse. Quel est le type de ce texte? Justifiez votre réponse. Relevez une anaphore dans le dernier tercé. Dégagez l'idée générale de ce texte. Commentaire composé. Vous ferez de ce texte un commentaire composé. Vous regarderez, par exemple, le beau séjour étranger du poète et sa nostalgie pour le pays natal. Notre problème, comme nous avons fait pour le premier poème, ce n'est pas de répondre aux questions. L'objectif du jour, c'est montrer à nos apprenants comment rédiger l'introduction du commentaire composé et quels sont les éléments qui composent cette introduction. On peut donc revenir, puisque nous connaissons déjà, on a déjà pris note, on peut déjà essuyer ça pour reprendre maintenant le travail avec un autre poème cette fois-ci. Vous voyez, nous allons garder les orientations. Gardons les orientations. Nous gardons les orientations. Les orientations. Et puis nous allons remplir comme nous avons fait pour Je n'ai plus que les os. Voilà. Nous avons gardé nos orientations et nous allons tout simplement remplir. Ça peut paraître tout simplement comme un jeu. Vous avez déjà votre maquette. Il suffit seulement à chaque fois qu'on vous donne un poème, vous remplissez les éléments et vous avez vos trois points au bac parce que l'introduction est notée sur trois points. Donc, nous venons de lire Heureux qui comme Illus. On va faire comme on a fait pour le poème de Ronsard, Je n'ai plus que les os. Quel est le titre? Il s'agit de Heureux. Heureux. Heureux qui? Comme. Qui comme? Ulysse. Heureux qui comme Ulysse. Heureux qui comme, avec U, heureux qui comme Ulysse. Voilà. La nature, nous nous retrouvons ici avec un poème pareil à Je n'ai plus que les os. Nous voyons qu'il y a deux quatrains et deux tercets. Les rimes sont disposées, voyage, rime avec âge. Toison rime avec raison. Les rimes sont donc embrassées. Et quand nous prenons le deuxième quatrain, village rime avec davantage, saison avec maison. Et s'il s'agit de regarder le maître, on se retrouve avec l'alexandrin. Par exemple, le premier vers du premier quatrain, heureux, qui, comme Illus, nous avons 12 syllabes aussi. Donc, 2, 6 vers à chaque partie. Et chaque partie est appelée
et mystique. Donc, il s'agit là encore d'un poème classique. Poème classique. Entre parenthèses, sonnet. C'est un sonnet classique. Tonalité. Alors, quelle est la première impression que nous voyons ici? Que fait l'auteur, Joachim Dublet? Joachim Dublet parle de son voyage. C'est un Français. Vous savez que les Français, beaucoup du 15e, 16e siècle, beaucoup ont séjourné en Italie. Ils devaient aller apprendre les humanités, c'est-à-dire le grec et le latin. Parce que comme la langue française était encore pauvre, il fallait aller là-bas et ramener le savoir italien qu'ils ont trouvé là-bas pour venir parfaire leur langue. Et donc, il parle de lui-même. Donc, la tonalité est ici lyrique. C'est son propre voyage. Hein? Lyrique. Mais puisque dans le texte, nous voyons qu'il cite des lieux latins, et romains, connus, et français, le Tibre latin, le mont Palatin, ainsi de suite, l'ardoise fine, village, ce sont les éléments de la nature, les éléments vrais, réalistes, et il insère ça dans la fiction, et nous disons qu'il y a aussi le réalisme, réaliste. Idée générale. L'idée générale ici, en fait, il s'agit de la déception. Un voyage où on s'attendait à quelque chose. Il partait à Rome. Il partait à Rome pour apprendre le savoir romain. Mais arrivé là-bas, il voit que ce qu'il a laissé dans son propre pays n'est pas moins que ce qu'il a appris. Donc, il y a une sorte d'opposition. Il a gagné quelque chose à Rome. Mais il regrette quand même son pays, son village natal, là où il est né. Donc il y a comme une sorte d'opposition entre le séjour à Rome et l'idée de revenir dans son pays natal. On va dire évocation. On va parler de l'évocation. Évocation. Évocation. Deux, évocation du séjour du séjour un séjour à peu près malheureux du poète. Et le nom, c'est Joachim Dublet. Joachim Dublet. Nationalité française. Courant littéraire, c'est toujours la Pléiade. Époque, 16e siècle. Le titre de l'ouvrage, les derniers vers, c'était pour Ronsard, les regrets. 1000 années de publication, c'est un peu en bas. L'édition n'est pas marquée, les sons d'intérêt, il y en a deux. Premier son d'intérêt, Beau séjour, étranger, deuxième son intérêt, la nostalgie pour le pays natal. La nostalgie pour le pays natal. Comme nous avons tous nos éléments, nous terminons notre introduction, on n'est pas obligé de suivre le même modèle. On peut dire ceci. Au lieu de commencer par le poème, on peut dire Joachim
du blé. Joachim du blé. Est l'auteur. Est l'auteur. De plusieurs ouvrages dont on cite l'ouvrage Les Regrets, dans Les Regrets, nous soulignons Les Regrets, d'où est extrait, d'où est extrait Heureux qui, comme Ulysse. Et nous mettons le titre du poème entre griffes. Point. Joachim du Blé est l'auteur de plusieurs ouvrages dont les regrets, d'où est extrait. Heureux qui, comme Ulysse, on peut ajouter poème soumis à notre appréciation, à notre analyse. Poème soumis à notre analyse. Et nous insérons l'idée générale dans ce poème. Dans ce poème, à tonalité ou bien à tournure, nous avons vu quelle tournure, à tournure, tonalité, lyrique, lyrique et réaliste, virgule, l'auteur évoque. Évoque, quelle est notre idée générale? Nous avons dit évoque son séjour malheureux à Rome. En fait, c'est même un séjour ambigu parce qu'il a gagné quelque chose à Rome. Mais en même temps, il pense au retour vers son pays parce qu'il a trouvé malheureux. Il a trouvé ce qui est mieux même là-bas. Donc le séjour est comme ambigu, malheureux. Séjour malheureux. Séjour malheureux à Rome, point. Alors, dans ce poème à tournure lyrique et réaliste, l'auteur évoque son séjour malheureux à Rome. Nous bâtirons notre développement, suivant un plan. Composé de deux axes, deux points. Après, quand on dit à savoir, on ne peut pas mettre deux points. Encore à savoir, virgule, on cite deux points. Le beau séjour étranger. Et la nostalgie pour le pays natal. Et nous allons retrouver nos éléments de l'introduction avant de terminer. Nous avons Joachim du Blé, l'auteur. Nous avons l'ouvrage, le titre de l'ouvrage cité. Nous avons le titre du poème 3,
nous avons aussi soumis à notre étude, dans ce poème à tournure lyrique. Et bon, puisqu'on n'a pas indiqué la nationalité, je crois qu'à cet endroit, on peut profiter d'indiquer la nationalité. Dans ce poème à tournure lyrique et réaliste, l'auteur, au lieu de dire l'auteur, parce qu'il faudrait qu'on ajoute quelque chose sur l'auteur, on peut dire le poète français, voilà, le poète français, hein, le poète français du 20e siècle, et non, du 16e siècle, excusez, du 16e siècle, du 16e siècle, évoque, voilà, son séjour malheureux à Rome. Malheureux à Rome, en Italie. Voilà, et dans ces conditions, nous aurons le 3, le titre du poème. Vous voyez qu'on n'est pas obligé de suivre le même ordre. Et les sons d'intérêt, c'est les tonalités, le 4. Nous passons à l'idée générale, le 5. Et puis, il y a aussi d'abord, avant l'idée générale, nous avons la nationalité, 5, et l'idée générale, 6. Enfin, les tonalités, 7. Donc voilà, nous nous retrouvons là devant deux modèles d'introduction, l'une sur le poème « Je n'ai plus que les os » de Pierre de Ronsard et l'autre sur « Heureux qui comme illustre » de Joachim Dublet. Maintenant, comme travail à faire, nous avons le poème de Albert Samain où il est question de rédiger également l'introduction du commentaire composé. Je vais quand même le lire pour terminer. À pas lents et suivi du chien de la maison, nous refaisons la route, à présent trop connue. Un pâle automne saigne au fond de l'avenue et des femmes en deuil passent à l'horizon comme dans un préau d'hospice ou de prison. L'air est calme et d'une tristesse contenue et chaque feuille d'or tombe, l'heure venue ainsi qu'un souvenir lente sur le gazon. Le silence entre nous marche comme de mensonges. Chacun là du voyage est mûr dans d'autres songes, rêve égoïstement de retourner au port. Mais les bois ont ce soir tant de mélodies que notre cœur s'émeut à son tour et s'oublie à parler du passé sous le ciel qui s'endort doucement à mi-voix comme d'un enfant mort. Albert Samain au jardin de l'Infante, 1893. Question, quelle est la métrique utilisée dans la première strophe? Justifiez votre réponse en étudiant la structure d'un vers de cette strophe. 2. Nommez la troisième strophe de ce texte et définissez-la. 3. Que traduit la ponctuation employée au vers 6? Grand deux commentaires composés. Faites de ce texte un commentaire composé. Vous pourrez par exemple vous intéresser à la lenteur des mouvements et à l'expression de la tristesse. Voilà donc fini pour aujourd'hui sur l'introduction du commentaire composé en classe de terminale A. Merci beaucoup.